Chers amis de KTO et de TMC, bienvenue en direct de Rome. Bonsoir à vous tous qui nous suivez des Outre-mer, d'Afrique, de Belgique, de Suisse, du Canada, de Monte-Carlo et de toute autre partie du monde. Ce soir, nous sommes dans la basilique Saint-Pierre au Vatican pour la messe de la nuit de Noël. C'est le pape François qui préside cette célébration. Il est entouré de patriarches, cardinaux, archevêques, évêques et prêtres pour célébrer la naissance de Jésus, le Messie tant attendu. Statue de l'enfant Jésus qui est recouverte d'un linge blanc. En effet, pendant 4 semaines qui précèdent Noël, les catholiques font souvent des crèches avec Joseph, Marie et d'autres personnages, mais l'enfant Jésus n'est seulement dévoilé que la nuit de Noël. C'est après ce chant et le chant de la Calenda que le pape enlèvera ce voile. Il prendra alors un temps pour prier, pour vénérer Jésus à travers cette statue pendant que les cloches sonneront. Nous entendons maintenant l'annonce de Noël. Des siècles sans nombre après la création du monde, quand Dieu au commencement créa le ciel et la terre et forma l'homme à son image, des siècles et des siècles après le déluge, quand le Très-Haut plaça son arc dans les nuées du ciel en signe d'alliance et de paix. Le 21e siècle, depuis qu'Abraham, notre père dans la foi, quitta Ur des Chaldéens. Le 13e siècle, depuis la sortie d'Égypte du peuple d'Israël sous la conduite de Moïse. Environ la 1000e année depuis le sacre du roi David. La 194e Olympiade. La 752e année de la fondation de Rome.
La 42e année de l'empire de César Octavien Auguste, tout l'univers était en paix. Jésus-Christ naît alors à Bethléem de Judée. Lui, qui est Dieu éternel et Fils du Père éternel, voulant sanctifier le monde par son miséricordieux avènement. Ayant été conçu du Saint-Esprit, et 9 mois s'étant écoulés depuis sa conception, il s'est fait homme, en naissant de la Vierge Marie. C'est la nativité de notre Seigneur Jésus-Christ, selon la chair. Ab unctione David in regem anno circi termillesimo. Hebdomada sexagesima quinta iuxta Danielis prophetiam. Olympiade centesima nonagesima quarta, ab urbe condita anno septingentesimo quinquagesimo secundo. Anno imperii Caesaris Octaviani Augusti quadragesimo secundo. Toto orbe in pace composito Iesus Christus eternus Deus, eternique Patris Filius, mundum volens adventus suo pissimo consecrare, de Spiritu Sancto conceptus, novemque post conceptione de cursis mensibus, in Bethlehem Iude nascitur ex Maria Virgine, factus homo. Nativitas Domini nostri Iesu Christi secundum
cathédrale entonne une mélodie sur le psaume 2 qui prophétisait déjà la venue du Messie comme fils de Dieu. Le Seigneur m'a dit, « Tu es mon fils, aujourd'hui je t'ai engendré. » Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi. E con il tuo spirito. Raccolti in preghiera. Réunis en prière pour commémorer la naissance de Dieu dans notre chair mortelle, ouvrons le cœur à la splendeur de sa lumière qui illumine tout, même la nuit de nos péchés. Avec cet esprit, frères et sœurs, reconnaissons nos péchés et invoquons la miséricorde de Dieu. Confesso. A Dio onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen.
Preghiamo. Prions. Ô Dieu, toi qui as illuminé cette nuit très sainte avec la splendeur du Christ, véritable lumière du monde, accorde-nous qui sous la terre contemplons ces mystères de participer à sa gloire dans le ciel. Amen. Del libro de Isaías. Lecture du livre du prophète Isaïe. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière, et sur les habitants du pays de l'ombre, une lumière a resplendi. Tu as prodigué la joie, tu as fait grandir l'allégresse. Ils se réjouissent devant toi, comme on se réjouit de la moisson, comme on exulte au partage du butin. Car le joug qui pesait sur lui, la barre qui meurtrissait son épaule, le bâton du tyran, tu les as brisés comme au jour de Madian. Et les bottes qui frappaient le sol, et les manteaux couverts de sang, les voilà tous brûlés. Le feu les a dévorés. Oui, un enfant nous est né, un fils nous a été donné. Sur son épaule est le signe du pouvoir, son nom est proclamé, Conseiller, merveilleux, Dieu fort, Père à jamais, Prince de la paix. Et le pouvoir s'étendra, et la paix sera sans fin pour le trône de David et pour son règne, qu'il établira et qu'il affirmera sur le droit et la justice, dès maintenant et pour toujours. Il fera cela, l'amour jaloux du Seigneur de l'univers. El celo del Señor del universo lo realizará. Nous allons maintenant prier avec le psaume 95. Aujourd'hui, le Sauveur est né pour nous sauver. Chantez au Seigneur un chant nouveau, chantez terre entière, le Seigneur et bénissez son nom. Proclamez son salut, racontez à tous les peuples sa gloire, à toutes les nations ses merveilles. Oh,
Joie au ciel, exulte la terre, les masses de la mer mugissent, la campagne tout entière est en fête. Les arbres des forêts dansent de joie devant la face du Seigneur car il vient pour juger la terre, il jugera le monde avec justice et les peuples selon sa vérité. A reading from the letter of Saint Paul to Titus. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre à Tite. Bien-aimé, la grâce de Dieu s'est manifestée pour le salut de tous les hommes. Elle nous apprend à renoncer à l'impiété et aux convoitises de ce monde et à vivre dans le temps présent de manière raisonnable, avec justice et piété, attendant que se réalise la bienheureuse espérance, la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur, Jésus-Christ, car il s'est donné pour nous afin de nous racheter de toutes nos fautes et de nous purifier pour faire de nous son peuple, un peuple ardent à faire le bien. Verbum Domini. Oh,
Alléluia, je vous annonce une grande joie. Aujourd'hui, vous est né un Sauveur, c'est le Christ, le Seigneur. Alléluia. Dominus vobiscum. Et spiritu tuo. Lectio Sancti Evangelii secundum Lucam. Gloria tibi, Domine. In quei giorni un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ces jours-là parut un édit de l'empereur Auguste ordonnant de recenser toute la terre. Ce premier recensement eut lieu lorsque Quirinius était gouverneur de Syrie. Et tous allaient se faire recenser chacun dans sa ville d'origine. Joseph, lui aussi, monta de Galilée, depuis la ville de Nazareth, vers la Judée, jusqu'à la ville de David, appelée Bethléem. Il était en effet de la maison et de la lignée de David. Il venait se faire recenser avec Marie, qui lui avait été accordée en mariage et qui était enceinte. Or, pendant qu'ils étaient là, le temps où elle devait enfanter fut accompli, et elle mit au monde son premier né, un fils. Elle l'emmaillota et le coucha dans une mangeoire, car il n'y avait pas de place pour eux dans la salle commune. Dans la même région, il y avait des bergers qui vivaient dehors et passaient la nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux. L'ange du Seigneur se présenta devant eux, et la gloire du Seigneur les enveloppa de sa lumière. Ils furent saisis d'une grande crainte. Alors, l'ange leur dit : Ne craignez pas, car voici que je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera une grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, vous est né un Sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et voici le signe qui vous est donné. Vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une mangeoire. Et soudain, il y eut avec l'ange une troupe céleste innombrable qui louait Dieu en disant « Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. » Troverete un bambino avvolto in fasce adagiato in una mangiatoia. E subito apparve con l'angelo una moltitudine dell'esercito celeste che lodava Dio e diceva: Gloria a Dio nel più alto dei cieli e sulla terra pace agli uomini che egli ama. Verbum Domini. Oh.
Nous allons maintenant entendre l'homélie du pape François. Cette nuit, que nous dit-elle encore pour nos vies? 2000 ans après la naissance de Jésus, après tant de Noël fêtés dans les décorations et les cadeaux, après tant de consumérisme, voilant le mystère que nous célébrons, il y a un risque. Nous savons beaucoup de choses sur Noël, mais nous en oublions le sens. Comment alors retrouver le sens de Noël? Et surtout, où aller le chercher? L'évangile de la naissance de Jésus semble avoir été écrit justement pour cela, nous prendre par la main et nous ramener là où Dieu le veut. Suivons l'évangile. Il commence en effet par une situation similaire à la nôtre. Tout le monde est occupé par sa fête, un événement important à célébrer, le grand recensement qui demande beaucoup de préparatifs. En ce sens, l'atmosphère de l'époque est semblable à celle qui nous entoure aujourd'hui à Noël. Mais le récit évangélique s'éloigne de ce décor mondain. Il quitte très vite ce cadre pour souligner une autre réalité sur laquelle il insiste. Il s'attarde sur un petit objet apparemment insignifiant qu'il mentionne à trois reprises et sur lequel les acteurs du récit convergent. D'abord, Marie qui pose Jésus dans une mangeoire. Ensuite, les anges qui annoncent au berger un nouveau-né emmailloté et couché dans une mangeoire. Enfin, les bergers qui trouvent le nouveau-né couché dans la mangeoire. La mangeoire, c'est là qu'il faut regarder pour retrouver le sens de Noël. Mais pourquoi la mangeoire est-elle si importante? Parce qu'elle est le signe, et ce n'est pas un hasard, avec lequel le Christ entre sur la scène du monde. Elle est le manifeste avec lequel il se présente, la manière de Dieu de naître dans l'histoire afin de faire renaître l'histoire. Que veut-il donc nous dire à travers la mangeoire, le Seigneur? Au moins, par la mangeoire, il veut nous dire trois choses. Proximité, pauvreté et le concret. Proximité. La mangeoire sert à porter la nourriture à la bouche et à la consommer plus rapidement. Elle peut donc symboliser un aspect de l'humanité, l'avidité à consommer. Alors que les animaux de l'étable consomment de la nourriture, les hommes avides de pouvoir et d'argent consomment leurs proches, leurs frères. Combien de guerres et combien de lieux aujourd'hui encore la dignité et la liberté sont-elles foulées aux pieds? Et les principales victimes de l'avidité humaine sont toujours les personnes fragiles, les faibles. En ce Noël, une fois encore, l'humanité insatiable d'argent, insatiable de pouvoir, de plaisir, ne laisse comme cela est arrivé au Christ Jésus, aucune place aux plus petits, aux enfants, aux êtres nombreux, aux pauvres, aux oubliés. Je pense surtout aux enfants de toutes les guerres, pauvreté, injustice. Mais c'est là justement que Jésus vient, enfant dans la mangeoire du rejet et de l'exclusion. Dans l'enfant de Bethléem se trouve tout enfant, et c'est une invitation à regarder la vie, la politique et l'histoire avec les yeux des enfants. Dieu s'installe dans la mangeoire de l'exclusion et de l'inconfort.
il va là parce que c'est là que se trouve le problème de l'humanité, l'indifférence générée par l'empressement avide de posséder et de consommer. Le Christ naît là, et dans cette mangeoire, nous le découvrons proche. Il va là où l'on dévore la nourriture, pour se faire notre nourriture. Dieu n'est pas un père qui dévore ses enfants, mais le père qui, en Jésus, fait de nous ses enfants et nous nourrit de sa tendresse. Il vient toucher nos cœurs et nous dire que la seule force qui change le cours de l'histoire est l'amour. Il ne reste pas distant et puissant, mais il se fait proche et humble. Lui qui siège dans le ciel se laisse couché dans une mangeoire. Frère, sœur, Dieu, cette nuit, se fait proche de toi parce que tu lui importes. Dans la mangeoire, il te dit comme une nourriture pour ta vie. Si tu te sens consumé par les événements, si ta culpabilité et ton inaptitude te dévorent, si tu as faim de justice, moi, Dieu, je suis avec toi. Je sais ce que tu vis, je l'ai éprouvé dans cette mangeoire, je connais tes misères, je connais ton histoire. Je suis né pour te dire que je suis et serai toujours proche de toi. La mangeoire de Noël, premier message d'un Dieu enfant, nous dit qu'il est avec nous, qui nous aime, qui nous cherche. Courage, ne te laisse pas vaincre par la peur, la résignation, le découragement. Dieu naît dans une mangeoire pour te faire renaître justement là où tu pensais avoir touché le fond. Il n'y a aucun mal, aucun péché dont Jésus ne veuille, ne puisse te sauver. Noël signifie que Dieu est proche, que renaisse la confiance. La mangeoire de Bethléem nous parle non seulement de proximité, mais aussi de pauvreté. Autour du mangeoir, en effet, il n'y a pas grand-chose. De mauvaises herbes, quelques animaux, rien d'autre. Les gens étaient au chaud dans les hôtels, pas dans les tables froides d'une auberge. Mais Jésus naît là, et la mangeoire nous rappelle qu'il n'y avait personne autour de lui, sauf ceux qui l'aimaient, Marie, Joseph, les bergers. Tous des gens pauvres, unis par l'affection et l'étonnement, et non par les richesses et les grandes possibilités. La mangeoire pauvre fait apparaître les véritables richesses de la vie, non pas l'argent ni le pouvoir, mais les relations et les personnes. Et la première personne, la première richesse, c'est Jésus. Mais voulons-nous rester à ses côtés? Rapprochons-nous de lui, aimons-nous sa pauvreté ou bien préférons-nous rester à l'aise dans nos propres intérêts? Surtout, le visitons-nous là où il se trouve, c'est-à-dire dans les mangeoires de notre monde. C'est là qu'il est présent et nous sommes appelés à être une église qui adore Jésus pauvre et qui sert Jésus dans les pauvres. Comme l'a dit un saint évêque, l'église soutient et bénit les efforts visant à transformer les structures d'injustice et n'y met qu'une seule condition, que les transformations sociales, économiques et politiques se fassent au profit authentique des pauvres. Bien sûr, il n'est pas facile de quitter la chaleur de la mondanité pour embrasser la beauté dépouillée de la grotte de Bethléem. Mais rappelons-nous que sans les pauvres, ce n'est pas vraiment Noël. Sans eux, nous célébrons Noël, mais pas celui de Jésus. Frères et sœurs, à Noël, Dieu est pauvre.
que renaisse la charité. Nous arrivons ainsi au dernier point. La mangeoire nous parle du concret. Un enfant dans une mangeoire est en effet une scène qui frappe, même si elle est dure. Elle nous rappelle que Dieu s'est vraiment fait chair, et donc les théories sur lui, les belles pensées et les sentiments pieux ne suffisent pas. Jésus, qui naît pauvre, qui vivra pauvre et mourra pauvre, n'a pas fait beaucoup de discours sur la pauvreté, mais il l'a vécu pleinement pour nous. De la mangeoire à la croix, son amour pour nous a été tangible, concret. De la naissance à la mort, le fils du charpentier a embrassé la rugosité du bois, les aspérités de notre existence. Il ne nous a pas aimés en parole, il ne nous a pas aimés pour rire. Et donc, il ne se contente pas des apparences, il ne se contente pas de bonnes intentions. Lui qui s'est fait chair, lui qui est né dans la mangeoire, il veut une foi concrète, faite d'adoration et de charité, et non de bavardage et d'apparence extérieure. Lui qui s'est mis à nu dans la mangeoire et qui se mettra à nu sur la croix, il nous demande la vérité, aller à la réalité nue des choses, déposer au pied de la mangeoire les excuses, les justifications, les hypocrisies. Lui qui a été tendrement enveloppé de linge par Marie, il veut que nous revêtions d'amour. Dieu ne veut pas l'apparence, mais du concret. Ils ne le sont pas passés ce Noël, frères et sœurs, sans faire quelque chose de bon. Puisque c'est sa fête, son anniversaire, offrons-lui des cadeaux qui lui sont agréables. À Noël, Dieu est concret. En son nom, faisons renaître un peu d'espérance chez ceux qui l'ont perdu. Jésus, nous te regardons couché dans la mangeoire. Nous te voyons si proche, proche de nous pour toujours. Merci, Seigneur. Nous te voyons pauvre. Nous enseignons que la vraie richesse ne réside pas dans les choses, mais dans les personnes, surtout les pauvres. Pardonne-nous si nous ne t'avons pas reconnu et servi en eux. Nous te voyons concret parce que ton amour pour nous est concret. Jésus, aide-nous à donner chair et vie à notre foi. Amen.